selon les informations que nous avions reçues, un arabe qui était venu de la Turquie a donné l'ingénieuse idée aux gens de construire ce fort-là. Ce fort-là a été construit, je ne sais pas, je ne saurais vous dire avec exactitude quand même la date, mais on peut estimer ça au-delà de 200 ans quand même. Ce qui manque vraiment aujourd'hui, c'est le tourisme, vraiment. Et du coup, la commune ne profite pas de cet endroit, vu vraiment l'insécurité qui est là. Vous savez bien que les gens ont toujours passé, ils ont toujours dit qu'il est vraiment impératif, il est nécessaire d'écrire ça au patrimoine de l'UNESCO. Et la population, vraiment, on se retrouve à travers ce fort-là. Ça fait partie de nos cultures et ça fait partie quand même de toute notre histoire.